Alors, ce qui est amusant, hein, cher monsieur, c'est que non seulement nous avons une personne qui vient du Sénégal, nous avons une personne qui vient de Hollande. Mais et je suis belge. Bienvenue l'international. Donc, vous parliez exactement d'une histoire. Vous parliez des fusillés sénégalais. Et puis, vous allez continuer votre histoire. De quoi parlez-vous? En fait, j'ai voulu rendre hommage aux tirailleurs sénégalais. Ces poilus noirs tombés au champ d'honneur lors de la Première Guerre mondiale. Donc en fait, comment faire dans cette grande aventure, tellement qu'il y a eu de grandes portes, il y a eu beaucoup de matériaux. Les historiens ont écrit sur la Première Guerre mondiale, en fait. Les poètes tels que Lévo Senghor ont écrit sur les tirailleurs sénégalais. Aimé Césaire a clamé sa négritude, donc de grandes portes. Il me fallait juste une petite fenêtre entrouverte. J'ai pris l'angle d'une sœur, d'une femme aimante, que Diab, ma sœur aînée, qui voilà que ses frères, dans le cadre, au moment où la loi Blaise Diagne a été votée pour l'incorporation des indigènes dans l'empire colonial, dans l'armée, donc voyant que ses frères vont aller en fait en guerre, eh bien, elle, en tant qu'aînée, donc, bon, elle les accompagne. Et comment faire? Parce qu'à l'époque, bien sûr, la femme ne pouvait pas être soldat. Donc elle s'est déguisée en peul, en homme. Non pas en Wolof, mais en peul. Moi, je suis Wolof. En peul, parce que donc, la communication ne peut pas se faire. Parce que le Wolof ne peut pas communiquer avec le peul. Donc elle s'est déguisée en peul, avec son chapeau tengado, et qui rentre dans le fameux vieux camion berlier de son village. La voilà qui fait la visite médicale à Saint-Louis du Sénégal. Et donc, au moment où, en fait, il y a cette visite médicale, eh bien, forcément, bon, on parle. Eh bien, donc, elle échappe. Parce que le commandant a un clairon qu'il faut du renfort. Et donc, elle a échappé à cette visite médicale, donc, à Saint-Louis du Sénégal. Et donc, elle est rentrée dans les fusillés. Mais j'ai envie de vous poser une question qui déborde un peu de votre ouvrage. J'espère que je ne vous choquerai pas. Mais en 14, bien entendu, le Sénégal qui rentre en guerre aux côtés des Français, ce n'est quand même pas leur pays. Ils vont dans les tranchées, dans des froids terribles, dans des conditions effroyables. Les tranchées, c'est quoi? C'est la pluie, c'est la boue, ce sont les rats, ce sont les poux. Mais ils ont dû se demander, mais qu'est-ce que l'on vient faire dans cette guerre? En fait, le paradoxe, le militaire, j'allais dire, non pas sénégalais, mais français de cette époque, vous savez qu'on était en pleine colonie. Donc le militaire, le tirailleur sénégalais était surtout un tirailleur français-sénégalais, dépendant de l'empire colonial. Donc là, bon, finalement, même des fois, on peut se demander même, on dirait même qu'ils acceptaient d'aller en guerre. Entre autres, tellement qu'en effet, ils allaient combattre pour l'empire colonial, contre le nazi. Donc il y a aussi cette ambivalence entre en fait d'aller en guerre pour en faire une guerre finalement fort étrange, mais aussi en fait d'y aller aussi pour défendre, parce qu'il y avait aussi cette idéologie coloniale qui faisait en sorte que dans cette période l'indigène était presque français.
Voilà. Le fameux rire Banania. Il était vraiment. Il faisait corps avec l'Empire. J'adore cette expression Banania parce que c'est une symbolique également. Hein. Banania récupérait le visage d'une personne africaine. Aujourd'hui, on n'oserait plus. Mais c'est dommage, quelque part. Mais je le dis avec beaucoup de respect. Après la guerre. Alors, je vous avoue, j'ai lu votre ouvrage en diagonale et très rapidement. Donc je ne suis pas réellement rentré dans votre ouvrage. Mais j'ai envie d'approcher ce sujet après la guerre. Ces gens qui ont donné leur vie, leur souffrance, leur sang, reviennent dans la vie civile. Est-ce qu'ils ont été réellement reconnus en tant que combattants ou est-ce qu'ils ont été mis sur le côté? Hélas, faut le dire, faut pas failloter. Quand on parle de l'inventaire en fait de l'histoire de la France, il y a beaucoup de zones d'ombre, énormément. Notamment ce que j'allais dire, en fait les invisibles voire visibles de l'Empire de la France, parce que les tirailleurs sénégalais, en fait ceux même au-delà, ceux qui ont eu en fait à apporter une valeur ajoutée à la France n'ont pas eu le retour. Et là, quand on pointe le doigt sur l'actualité française, ou quand même l'autre est mal aimé, parce que noir, parce qu'arabe, parce qu'il faut dire les choses justes, parce que mat, parce que n'ayant pas la peau laiteuse, l'actualité du Front National nous le démontre. Quoi. D'ailleurs, même des fois, je me fais rire avec mes amis, peut-être que des personnes sont venues chez moi en avenue à Montpellier, ont mangé mon manfé, et après ils ont voté FN. Donc finalement, en fait, on ne connaît pas l'autre. Alors que nous autres négographes, nous autres étrangers, on ne se voit pas étranges. Parce qu'on est dans l'amour et le partage. Parce que on est les métèques de la République. Parce que cette République, ce monde est universel, comme disait Senghor et Malraux. Donc pourquoi ne pas aimer l'autre? Parce que l'autre est dans l'autre. L'autre est chez l'autre et avec l'autre. Et c'est en cela, en effet, l'histoire des tirailleurs sénégalais doit interpeller le monde contemporain. Parce que le sang versé n'était pas noir, était rouge comme le poilu blanc de Mazamet. D'autant plus que nos origines, elles sont noires. Nous venons de l'Afrique. Le premier être humain reconnu, il était en Afrique. En fait, même c'est même passionnant quand vous lisez cet ouvrage-là. Il y a une partie où quand même j'ai fait un lien autour du syncrétisme religieux, notamment tant quand même par les pauvres seigneurs. Imaginez un chrétien tel que Senghor, catholique, qui gouvernait 90% des musulmans. Quel symbole pour le monde. Voilà en fait, Benoît Saint, pour revenir sur l'ouvrage, voilà que dans ce régiment de tirailleurs sénégalais, c'est le seul chrétien rescapé. Devant ces soldats musulmans, le voilà qui leur fait une prière pour les enterrer dignement. En faisant un mix d'une ritualité à la fois catholique et musulmane. Quel message. Alors, je reviens à plusieurs réflexions que vous nous avez offertes, parce que c'est une offrande que vous nous apportez là. Vous faites référence régulièrement à Malraux. Pourquoi Malraux? C'est une passion. En fait, quand je m'attarde sur André Malraux, je fais un duo avec Léopold Sédar Senghor. Parce qu'en fait, la culture, le tout culturel, l'universalité, André Malraux et Léopold Sédar Senghor ont créé le premier festival mondial des arts nègres, c'était en 1966. Donc, deux hommes de lettres. Quel message pour la francophonie? Quel message pour ce monde? Et donc, je me dis que peut-être on est en retard, nous autres, humains francophones d'ici. Francophone d'autre part aussi. Hein. Mais on est un peu en retard. Voilà que Senghor, André Malraux, René Char, Cheikh Diop, j'allais dire Aimé Césaire, ont créé un chemin fécond pour un dialogue harmonieux interculturel. Pourquoi maintenant on revient sur l'autre? Parce que sa peau est laiteuse, parce que sa peau est mate, sa peau est noire d'ébène. Mais où on va? Où va-t-on? C'est une excellente question. Alors, vous aviez proposé tout à l'heure de nous faire une lecture. Et je ne résiste pas au plaisir de vous écouter. Ensuite, j'ai d'autres questions à vous poser. Là, j'ai voulu vous juste ce que j'appelle une djaba ne meurt pas. Elle s'endort. Atouman. Atouman Goné. Atouman.
Pourquoi mon sang sur cette terre? Pourquoi mon sang sur cette terre boueuse? Femme du fleuve, sirène aux pieds nus, femme mère, femme sœur, femme amazone, femme martyre, femme amour, je vous aime. Oui, j'aurais aimé danser et chanter avec ma cousine Fatou Maïssa. Oh, quelle cousine Fatou Maïssa! Sur le chemin qui menait à l'unique puits du village, on s'amusait, on dansait. Petite elle était, mais grande dans l'âme. On était fiers de porter le nom de Mbissan. Mamie Khadi était fière de porter le nom de Mbissan. Gardien protecteur de la famille, mon frère Menda était très jaloux. Jazz, jazz. Mais que voulez-vous que je rajoute à ça? Mais c'est beau! Mais c'est superbe! Mais merci! Merci à toi aussi. Mais ce n'est pas tout. Moi, j'étais étonné hier. Vous étiez à la table d'honneur en compagnie du président du Salon international du livre de Mazamet, oui. Michel Sabartès. Vous étiez en compagnie du maire de Mazamet. Oui. Vous étiez en compagnie d'auteurs célèbres. Qu'est-ce que ça vous a fait? En fait, un honneur aussi. À un moment donné, un honneur, mais aussi à travers moi, mon âme, personnalité, j'ai vu une France accueillante. J'ai vu Mazamet, j'allais dire, en venant à Mazamet, j'ai pensé de suite le village africain, la terre sénégalaise, la ruralité accueillante en fait. C'est ça aussi l'amour. Parce que j'étais certes le seul noir métèque, mais on sentait une générosité. On sentait qu'on venait vers moi parce que j'étais pas étrange, même si je suis étranger. Baba Kia, je vous adore. Je vous adore. Je vous remercie pour ces sourires. Je vous remercie pour cette voix. Et je vous remercie pour ces souvenirs qui sont tellement importants. Et alors, ces messages d'amour et de fraternité, mais quelles leçons! J'aurais aimé aussi venir en Belgique, vous voir, faire une tournée avec vous, parler de ce devoir de mémoire, parce qu'il en faut. Okay. Eh bien, c'est noté. C'est noté parce que vous savez qu'il n'y a pas tellement longtemps, nous avons accueilli un auteur historien qui fait partie du Salon du Livre de Mazamet, Jean-Luc Doucet. Et il est venu nous accompagner, on a fait le tour des médias, et il est là aujourd'hui, il est primé. Eh bien, c'est noté. Alors, j'ai pour définition de ne jamais rien promettre, parce que les promesses, vous savez, mais par contre, de vous tendre la main, et comme disait Georges Chelon, attrape ma main, serre-la bien fort et viens, je te hisse à mon bord comme une naufragée. Merci, merci infiniment. Philippe, merci beaucoup à toi, merci au... non pas à la Belgique, j'allais dire au Congo belge, au Belge Congo, merci à la Belgique métissée. Et à l'humanité. Et cette voix VUX de ta radio, ce doit être d'être une voix VUE pour l'universel. Alors je suis partant, hein, quand tu veux. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.